En pile moun étonné ça qui passé jodi a là. Alors nous allons inviter au gain en pile information en dans vidéo ça. Et PDG Radio Télévision Caraïbes là qui c'est Patrick Moussignac kidnappé. Eh bien, et même deux heures de temps pas passé, monsieur libéré. En pile, on a posé la question, qui s'est passé là? Est-ce que c'est un auto-kidnapping ou bien est-ce que c'est un théâtre qui t'a fait? Et parce que n'ai pas estimé pour pas tout mon signe kidnappé, même deux heures de temps pas passé, monsieur qui est en libéré, mon fait fête, relance, gros bal pété, pou. Mes amis, en tout cas, et bagay la vraiment, bay moun tête fait mal, bay moun. Et donc, qu'est-ce que te, nous pas ka comprendre ça qui a passé dans le pays. Et si ça fait nous pote vidéo ça pour nous faire des détails. Et puis, il y a un ancien PM jout là avec Jean-Rubel Doxina qui est responsable et question désarmement dans le pays d'Haïti. Denek sa ou mit tête yon ensemble, c'est pas de l'obé yon pas fait dans le pays. Nous pas l'invite ou gen en pile information sur ça qui te passé dans la prison civile quoi de bouquet. Côté PM jout avec Doxina, nek sa ou fait un gros zak. Et c'est dans la vidéo que nous pral découvrir Zak Sa, nous pral fortande comment nèg sa méchant alors que yo te dit yo tape désarmé ou bien yo tape mari bandi et puis nèg yo c'était pi gros bandi qui te gagné dans la République. Mesdames et messieurs, en tout cas de ce kidnapping Patrick Moussignac PDG Radio Caraïbes là, restez connecté sur vidéo à tout détail en dans n'a tourner. Et bien quand même excellente nouvelle, bonne nouvelle. Et bon côté Patrick Moussignac, mesdames et messieurs, nous connaissons dans le cadre Haïti pays de mes rêves. Nous sommes en direct et pendant que nous avons dénoncé le kidnapping, non, et bien, mesdames et messieurs, oui, bel et bien, ils ont libéré Patrick Moussignac. Mais attention, hein, attention. Et nous pas trop enthousiastes parce que nous sommes capables de constater, évidemment, il y a plusieurs opinions là. Il y a plusieurs opinions. Il y a des gens qui disent c'est théâtre, il y a des gens qui disent c'est pièce théâtre qui t'a monté. Et puis il y a l'autre qui dit, eh bien, peut-être c'est un message que vous voyez par Patrick Moussignac directement. Puis il y a l'autre qui dit qu'il a son corps qui est en tombé. N'empêche, eh bien, mesdames et messieurs, dans le cadre, Patrick Moussignac, libéré. Nous sommes tout de suite, il y a fini kidnappé en moins de une heure, moins de deux heures de temps. Eh bien, nous population qui était endiablée, qui prend la rue. Eh bien, il y a une libération. Mais on va poser cette question, comment fait que Patrick Moussignac libéré aussi vite? Ça fait ça? Il y a des questions, mesdames, messieurs. Parce que je dis à là, est-ce que ça rentre dans le cadre auto-kidnapping? Il y a des questions, sérieusement. Pas oublier, nous te disons que justement, d'après auditeurs, auditrices, spectateurs, nous disons que c'était 4 agents UDMO qui étaient kidnappés et Patrick Moussignac. Donc, il y a des questions, mesdames, messieurs. Bagay yo drôle, bagay yo triste, bagay yo grave, bagay yo extrêmement grave. Évidemment, nous allons parler sur ça. Et puis, nous avons un extrait vidéo pour vous. Nous avons salué tous les compatriotes qui sont sous champ de masse là actuellement, messieurs, dames, débalancer ces questions. Ukraine, la Russie, nous allons permettre tant de vidéos parce que nous avons filmé vous. Mesdames, messieurs, ou sur Chanel Haïti, pays de mes rêves, évidemment, même famille que Chanel, mon affaire bon TV. Nous avons déjà demandé de partager pour nous comment comprendre la question kidnapping, ça qui passe dans le pays. Hein? Là, nous disons que kidnapping dans la famille. Les gens race, les gens amis, les gens relations. Eh bien, voilà. Il y a des questions. Lionel, n'absolue aux amis, Pam, comment est-ce que vous? Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, tout auditeur, auditrice. De mes rêves. Eh bien, nous comptons de retour avec, justement, avec vous, chers auditeurs, auditrices, Chanel et Aïe. Et bien, quand tu as un kidnapping, mais nous avons une femme kidnapping qui était fait par le mouvement. Nous connaissons qui. C'est mesdames, messieurs, excusez-nous, nous avons une ligne là, de temps en temps, lit. Et il va passer bien. En attendant que Lionel retourne avec nous, je nous dis, et nous pour nous parler peut-être avec Nelus, parce que qui parle de nos opinions, parle, qui ça le comprend de kidnapping ça, ou plutôt de auto-kidnapping ça. Mais on va poser cette question, mesdames, c'est sérieux. Il y a un monde qui PDG Patrick Moussignac et Radio Télé Caraïbes, et en fait logiquement, pour qui ça, il y a un monde qui est content à dire que c'est auto-kidnapping. Ou regarder c'est un monde qui est déjà très populaire et je pense que au point de vue l'argent monsieur pas un problème l'argent nous tout qu'on dit nous n'attendait que yo dit non c'était non équipe vieux bagaille bon bref
nous même nous pouvons nous pas accuser tout autant bagarre n'a pas confirmé mais bref mesdames messieurs jodi a là est-ce que pays a pis mal que ça ne te comprendre non pour monde t'a fait gens t'a fait kidnapper et juste pour le capable pour sympathie publique là est-ce que ça vraiment est-ce que nous même on croit dans ça est-ce que on croit que vraiment monsieur a privé dans ang ça n'a posé tête nos questions mais bref mais c'est sûr c'est un grand message qui lancé là quel vrai quel faux et bien Patrick Monsignac évidemment faut qu'on prudent puis attention tu pas oublier mesdames messieurs de vous parler de Patrick Monsignac nous connaît Bob C gen un pile moun qui actuellement qui gen un petit problème personnel avec Bob C mais n'empêche nous connaît que justement bagay lan li pas simple comme ça mesdames bagay pas simple comme ça et sans côté qu'on nous connaît tout ennemi que Patrick Monsignac gen et gen moun qui dit gen même nèg boy ici qui dans diaspora qui t'a menacé Patrick Monsignac est-ce que c'est ok de bay ça nous pas connaît mais on nous pas accuser personne simplement faut que t'a gen un vrai enquête qui ouvre qui est-ce qui va le faire encore c'est même yo même n'empêche mesdames messieurs bagay lan grave et soit garder dans cas pasteur Locharimi OK yon pasteur qui t'a font travail aussi remarquable nous tout temps le prend garder tout temps ça prend avant que yo libéré pasteur Locharimi puis gen pile l'autre monde qui gen non dans pays garder combien de temps ça prend pour yo te libérer moun sa yo mais qui ça fait subitement mesdames messieurs yo grand temps lagué et yo grand temps lagué et DG et Patrick Monsignac. Ah. Oui, là nous en avance parce que nous internet n'a pas de problème. Oui, évidemment Jimmy nous nous capable et bandit qui est enlevé Patrick Monsignac mais nous yo libéré lui quand même et c'est une très bonne nouvelle quand même bien qu'il y ait des opinions cap sorti de la part de certains monde qui t'a fait connaître est-ce que c'est un similaire est-ce que c'est pas nous pas parler de nous pas parler de nous pas précipiter pour nous dire auto kidnapping mais nous connaissons Patrick Monsignac c'est un monde qui gagne en pile ennemi dans pays hein, en pile adversaire politique surtout et là bon monde tant coup là bon monde tant coup DG radio justement radio Zenith là qui c'est Ronnie Collin et là on prend des monde qui dans tant dans diaspora et en pile monde qui est désaccord avec Patrick Monsignac mais nous connaissons Radio Caraïbes pour ça qu'il représente pour les haïtiens quand même nous même nous pas capable accuser personne pour nous dire c'est quand même c'est un kidnapping qui t'a téléguidé mais quand même c'est une très bonne nouvelle quand même parce que kidnapping là quelque chose sous quelque chose monde ni fait et nous pas capable applaudir ça même si c'est un son adversaire mais nous connaît Jimmy et Patrick Monsignac quand même qui gagne des adversaires qui gagne des ennemis au niveau politique là et nous Radio Caraïbes son radio à mettre reprise qui des attaques qui fait contre immeuble là pour te bouler et nous songer et on monte comme Bob C c'est un homme qui gagne en pile ennemi et ça qui fait et Radio Caraïbes c'est une cible en pile adversaire politique nous pensons que et dans cadre d'enlèvement ça qui s'est fait là et nous avons libéré lui mais c'est un rare kidnapping qui fait côté que il libéré otage aussi rapide que ça mais c'est question ça qui a posé tête nous est-ce que son coup raté est-ce que c'est monde et pas monde qui a besoin de comprendre et nous pas comprendre mais ça interpelle ça justement fait en pile questionner et conscience en pile monde et au niveau de kidnapping ça mais la son kidnapping planifié pas ça c'est clair Jean nous dit c'est gros message qui lancé mesdames messieurs nous tout nous qui là nous comprendre gros message qui lancé et c'est sûr certain est-ce que grand temps parce que gros bagaille pour nous remarquer bien yo gida comme si moun sa yo gida comme si besoin Patrick Monsignac yo gida besoin cob yo gida besoin par son message yo pa ka joine ni kounya la ki sa pi facile kounya lò pre le moun nan téléphone li va répondre nous aussi important que Patrick Monsignac qui ça vous fait ou débarquer dans machine ni ou vinn ballon pression son pression lié parce que sincèrement si vraiment yo t'ai besoin et yo t'ai besoin et touyel yo t'ap touyel ça c'est clair mesdames messieurs mais ouais c'est pas ça ça son message qui lancé directement à PDG hein. Donc on pense que li clair et net évidemment Gédard en même temps Gédard gon promesse Gédard gon garantie qui bail la toi ou pas j'en connais ça c'est s'il pas rentrer dans cadre auto kidnapping j'en nous dire mesdames messieurs bagaille là grave et regardez qui ça paye à tomber pour qui ça eh bien j'en nous dire au monde nous pas besoin aller Hollywood pour regarder film monsieur nous pas même besoin abonner nous à Netflix embarquer sous ça qui passe en Haïti ou un jeune scénario mais nèg Haïti tellement mafia nèg yo tellement mafia regardez un petit scénario que yo pensé faire qui est capable faire. M'pas dit c'est salier dans cas ça oui, mais nek ça tellement gain sou yo, ça pas trop petit pour ta faire. Oui frère.
C'est grave. Oui, évidemment, Jimmy. Eh bien, nous avons un gros dossier là. Eh bien, nous avons un fameux dossier. Eh bien, nous allons parler de ancien Premier ministre PM Jout, mesdames, messieurs. Eh bien, côté que il y a une grosse révélation, dénonciation qui fait contre ancien Premier ministre Joseph Jout, eh bien, au sujet de cambriolage qui était fait dans la prison civile Kwa de Boukéa. Eh bien, côté que ancien ministre de justice, Luc Mandelil, et n'a parlé des présidents et conseil des armements et Jean-Renel dans Sénat qui justement révélé qui bail des informations qui bail justement qui dénoncé PM Jout en les mots et Jimmy pour que yo fait qu'on est et bien te gagne un appareil président Jovenel t'a acheté pour te installer dans prison civile quoi des bouquets n'a rappelé prison civile ça qui gagne et gros chef gang yo la donne et d'après toutes informations et des informations de bonne source Jimmy en pile kidnapping qu'a fait en dans pays c'est en dans prison civile quoi des bouquets yo préparé yo planifié donc le chef gang 400 marozoa et yon lui-même qui déclaré tête ils sont millionnaires en dans prison hein et bien ça qui vient gagner justement des informations qui bail et bien jodi à la côté que vous faire comprendre Joseph Jout t'a gagné information t'a gagné justement t'a informé lorsque prison civile quoi des bouquets t'a mal crasé. Et président Jovenel lui t'a acheté un appareil pour te permettre de te bloquer tout contact téléphonique dans la prison. Et bien, Joseph Jout te boycotté ça. Et Joseph Jout t'a empêché ça. Et Joseph Jout tout te fait porter appareil. Ça environ 5 appareils. Interrompemos esta programação para um anúncio especial. Il te fait porter appareil ça au Bali. Et bien, ça qui te vient bail. Échec avec préparation ça qui était fait pour te bloquer tout appel, tout bloquer réseau téléphonique, réseau et internet en prison. Hein? Et bien, je ne dis à la deux anciens regardés, l'aime parler des anciens ministres, c'est ça, Luc Mandelil, qui accusé Joseph Jout, et aussi gagné Jean-Renel dans le Sénat qui était responsable des armements, et bien, qui justement lui mettait justement, quand il parlait de Joseph Jout, qui jusqu'à présent apparaît ça au nom de lui, et le palais de Joseph Joutou, qui était empêché d'être installé à apparaître ça au nom de prison, et bien, il cite nous Joseph Joutou comme une monde qui gourmet pour le mener nous là. Mais je ne sais pas, le sujet dit, comment que Joseph Joutou, lorsque la police termine pour intervenir dans le village de Dieu, lorsque il y a une préparation qui a fait pour te monter dans la ville, Joseph Joutou te dit lui-même, il ne parle pas de personne, et il te dit lui-même, il communique avec l'appli, il communique avec ISO. Il n'a pas voulu perdre personne. Et je ne dis pas, en plus, le monde dit, si la justice a fait travail, Joseph Jout, c'est un monde. Il a supposé Fouquet, il a supposé Marie-Cou Crabbe dans quatre insécurités dans la vie là. Et bien, nous avons Joseph Jout lui-même, jusqu'à présent, et d'après justement information que nous avons, Joseph Jout pas toujours et bien, en conversation avec justement des bandits, ça, nous connaissons, qui était toujours en parler avec eux, et ils ont toujours un numéro de téléphone. Et bien, Joseph Jout, il a supposé venir rendre compte des appareils, ça, auprès de Joseph Taché avec l'argent. Et dans le Sénat, fait qu'on est, et près de Joseph, même acheté appareil avec l'argent de l'État, mais c'était avec l'argent pâle. Et bien, côté que le tâche d'appareil pour te installer dans la prison quoi des bouquets. Et nous connaissons prison quoi des bouquets. Et bien, d'après toute info, c'est en dans prison quoi des bouquets, encore une fois, Jimmy, majorité kidnapping qu'a fait dans le pays d'Haïti, et bien, yo planifié. Donc, mesdames, messieurs, la justice haïtienne, et bien, l'État supposé interpeller PM Jout aussi rapide que. Aussi vite que rapide, Jimmy, pour ta vie, non seulement information sur appareil ça, ou vin rendre compte sur appareil ça, ou pour de t'acheter, mais aussi vin dire qui salte qu'on a dit, et avec til appli et ISO, mais aussi vin dire tout, même chose que je dis, on monte en quoi Ariel Henry, il y a compte pour le rendre avec la justice haïtienne, sur le dossier assassinat pour de Jovenel tout, mais PM Jout tout, nous, on t'y casse, il garde silence, mais PM Jout, qui lui-même, ancien PM Jout, Jimmy, qui quand même gagne compte pour le rendre, et si tout sous dossier insécurité ça nous connaît PM Jout, c'est un monde qui mène nous là, c'est un monde qui te dit il pas veut perdre aucun bandit, il pas veut perdre aucune vie. Et lorsque Luc Mandelil te bloqué village de Dieu, te bloqué Grand Ravine, il te mandé non seulement te révoquer Luc Mandelil, il te mandé justement pour débarricader messieurs et tout rapide quelques heures après, et ben nous pays a te vinn tomber dans la Katchouboumbe. Mais il faut nous dire Jimmy gagné Luc Mandelil qui évoquait possibilité, il dit s'il t'a tourné dans tête la justice là, eh bien, il t'a justement mettre l'ordre, il t'a mettre discipline dans le pays là, eh bien, nous, Luc Mandelil quand même, qui pas écarté possibilité, si que t'as fait appel à lui pour t'a venir
bayon bourade dans tête la justice là, et bien dans cadre dans cadre justement participation dans un radio une émission radio dans la capitale là, et bien il était parlé côté qu'il dit il pas écouter possibilité si tu relé pour ta vienne bayon bourade ou même concitoyen concitoyenne capitaine de nous là qui justement commentaire par rapport à déclaration du pandélil là, est-ce que tu as aimé le pandélil tourner, est-ce que tu as aimé quand même pour le gouvernement qui l'a fait appel à l'Ikman de Lille pour t'arriver à une bourrade, nous songez comment l'Ikman de Lille te fait, comment elle te fait une démonstration sous champ de masse là, lorsque bandit et militant politique justement tape balle de fille, et te descend, il te marche à pied sous champ de masse là, et même j'entoure, il te fait une isolée en leçon, il te fait une isolée en leçon, mais je dis à nous, pas de trop volonté, bon côté ministre, c'est ce qu'il a. Bon côté premier ministre qui l'a, bon côté ministre intérieur qui l'a, et bien ouais, monsieur, comment vous faites travail là? C'est dans la radio, vous parlez toute la sainte journée, on n'est pas jamais tête, tant autant de lui, vous prenez des mesures, et nous et tout, qui parmi qui mesure, monsieur, vous prenez là, non, vous parlez là, et vous faites qu'on est policier, vous pas supposé, et bien mettez cagoule dans le visage, lorsque il y a fait checkpoint, et policier, et game, et interdiction qui prend contre tout policier qui compte mettre cagoule. Oui, Jimmy, c'est une très bonne décision, dans le dossier ça, mais pas oublier, la vie policière, policier qui sérieux, mais vie au vie de mettre en jeu parce que des fois, avec la compte finale, ton bandit, différent qu'elle met cagoule, bandit a pas regardé ce qu'il a arrêté là. Mais automatiquement, la petite cagoule là, pas bien, toute décision, gon bon côté, gon mauvais côté, automatiquement, policier a pas cagoulé, bandit l'a arrêté, hein. Pas bien, autorité judiciaire, pas bien, pour libérer bandit, après, fin, policier vient arrêter. Donc, nous pensons que 10 000 décisions, comme le bon côté, mais gon mauvais côté tout, parce que policier, ils ont toujours livré comme des. Et ils ont livré à la bouche qu'il y a souvent, les ont arrêté bandits, et ils ont libéré bandits après. Et bien, je pense que ça, et décision ça, quand même, qui n'est pas trop mauvais, mais aussi qui n'est pas trop bon tout, Jimmy. Mesdames, messieurs, est-ce que nous tendons des bagailles là, mesdames, messieurs? Est-ce que nous prenons ça pour nous tendre? Allons, Jojo, allons, président Jovenel Moïse. Et nous sommes capables de comprendre tout côté que tu as un complot contre monsieur ça. Contre EOSA, contre vrai EOSA. Hein? Donc, ça veut dire que le président Jovenel lui-même, pour stopper son kidnapping dans la prison, il était acheté un équipement. Joute, bloque ça. Bloute pas quitter ou mettre l'équipement. Oui, Jimmy. Et équipement, ça faut que nous disions. Et équipement, c'est évalué à environ 600 000 gouttes. Lorsque il était à prendre le président Jovenel, la possibilité qu'il gagne pour éliminer, éradiquer la planification qu'il a faite en de prison pour kidnapper les gens, il était informé le président Jovenel ça. Oui, je te dis, eh bien, balle pour appareil ça. Yo. Environ 5 appareils qui te coûté environ 600 000 et quelques gouttes, ils te acheté appareil là. Et qui s'est passé, les fin acheté appareil là, ils pas de blé. PM juste pas de blé, ils installé appareil là dans la prison civile, quoi des bouquets. Parce que gen, avant que la prison ait cambriolé, Anel Joseph t'a sauvé, eh bien, tu as une information déjà dans la rue. Mais il y a un monde qui était au courant de ça, comme autorité, et PM juste. Mais il était empêché d'installer appareil là, et non seulement il était empêché d'installer appareil là, il était relé dans ce nom, rapide pour appareil au Bali, et jusqu'à date, nous n'avons pas parlé avec là. PM, je ne prends pas de matière encore, mais appareil, toujours été, le peuple a toujours été sans nouvelles, et bien, qui sait faire avec appareil ça? Donc, PM Ariel Henry, c'est PM Ariel Henry, parce que même Jean, Joseph Lambert, a commencé à dire l'affaire audit pour appareil l'État, matériel l'État dans le monde. Donc, il faut être convoqué Ariel Henry, il faut être convoqué PM Jouto pour lui donner une explication à pareil, ça y est, qui l'a porté au vignoble, mais qui s'en fait avec eux, est-ce que c'est Van Livagno? PM Jouto, tout le monde, vous ne pouvez pas pardonner parce que c'est un monde. S'il ne peut pas dialoguer à gang, s'il ne peut pas dialoguer à Iso, s'il a pris, eh bien, le pays n'a pas d'abriver là. Et s'il a fait travail et tout, le pays n'a pas d'abriver là. Donc, ça, on sait PM Jouto. Ça, c'est important, mesdames et messieurs. Info, ça est très important parce que. Raison qui fait que nous reprenons info ça, parce que pas oublier, il y a un pile monde qui a peut-être de nous là, il y a un pile monde qui n'est pas vraiment contre le président Jovenel, et à cause que y a tellement abdicéré des vieux bagages sur le président, il y a même tout, maintenant tête au président pas de travail, et donc, je dis à la, on comprend un pile kidnapping qui a fait en dans prison, volonté fondamentale que le président Jovenel a gagné pour combattre ça, ça veut dire que là où même, là nous tous n'a dit président Jovenel était pour contre lui, mesdames, messieurs, président Jovenel, ce n'est pas pour contre lui encore, non? Hein? Tout premier ministre qui campé, qui était techniquement qui était campé avec lui, et bien nous essayons même encore, ça que t'as payé corps, ça que t'as bail corps pour financer manifestation, pour craser pays, hein? Et bien je dis là, on a découvert davantage, mesdames, messieurs. Mais quand même, nous saluons Dossena parce que pour faire une grosse déclaration comme ça, ça prend du courage quand même, faut nous dire. Mais, mesdames, messieurs, président Jovenel, ah, c'est pas manqué le manqué nous encore.
yon gros héros comme ça, c'est pas manquer nous. Mesdames, messieurs, ça dérange nous en pile, mais nous avons une justice nous quand même. Parce que, vous ne pouvez pas voir, justice président Jovenel, c'est bon justice, forcément, pour mettre en bas coup, you know? Ouais, y a en pile secret, en pile bagay qui nous pas de connaît, et bien, nous avons découvert, et population a découvert, en espérant que y va lever campé jusqu'à ce que le pays en libéré. Même je nous, subitement, et Patrick Monsignac qui vient de libération, et sans que ça va prendre temps, mais bon côté, et joute, mesdames, messieurs, il y a des questions pour nous poser. Il y a des vraies questions pour nous poser. Lionel, nous allons quitter ça comme son édition spéciale.